Aujourd'hui, je pensais faire un manhunt tranquillou. Sauf que Shaowen m'a piégé en y réalisant des pièges du futur. Donc vous savez quoi les mecs, s'il y a 20 000 likes sur la vidéo, je me venge en lui faisant passer la pire journée de sa vie entière. Et hop 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 mon gars, si tu veux apparaître à l'écran, oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Merci à Jibril98, Corentin le BG, Karim le DZ et Lozy tiré du bas de cette abonné à cette chaîne. On perd plus de temps, c'est Tipar. Bon les mecs, malheureusement Shaowen m'a ramené dans un bourbier. Mais vous inquiétez pas les mecs, on va le pulvériser. Bon déjà, on va dormir ici et je vais devoir tenter le petit jump magnifique. Non mais je vous le dis, c'est facile. Bon, évidemment les mecs, si Shaowen m'a ramené ici, c'est pas pour rien. Je sais pas ce qu'il a prévu, je ne sais même pas ce qu'il a rejeté comme mode. Donc vous savez quoi, déjà mon premier objectif, c'est de savoir le mode que Shaowen a rajouté. Parce que bon, c'était pour me faire tuer, ça voilà, c'est rare de minutes. Voilà les mecs, objectif, s'enfuir le plus vite possible. Pourquoi? Parce que bah déjà pour mon premier troll les mecs, il faut que je me barre le plus loin, tout simplement parce que j'ai besoin de bois, tout simplement. Donc là ça va être compliqué d'être ici tout simplement. Donc là les mecs, on prend juste un max de foin pour pouvoir se faire un max de pain francophone. Bon les gars, on a un peu de pain, on a des cactus. Par contre, on a rien de bien incroyable quoi. Bon, y a un golem mais le souci c'est qu'il y a pas grand-chose. OK les gars, on a de l'émeraude donc je sais pas si ça va être utile. Bon allez, tu sais quoi, vas-y, envoie chacal. Maintenant les gars qu'on a assez de pain, on va se barrer le plus loin. Objectif les gars, avoir un max de bois. Donc OK, il est par là-bas, ça va être simple. Je vais tenter d'y aller de façon très sneaky les mecs. Donc déjà, je vais prendre de la bouffe. Et les mecs, je pense que je vais me barrer parce que regardez-moi ça, on n'a pas de bois du tout. Donc ça veut dire que je peux pas me faire de table de craft. Et pour être sûr de pas faire n'importe quoi, je vais me barrer à l'opposé. Je vais être un grand homme, je vais lui laisser l'iron golem, je vais être un très très grand homme. Bon par contre les mecs, ce qui est effrayant, c'est que ça fait peut-être 3 minutes que je me balade et le seul truc que j'ai trouvé, c'est un deuxième village. Donc toujours pas de bois. OK, ça va, il y en a ici. OK, nickel. Donc là, on va faire table de craft ainsi que des sticks et on va directement se faire une hache avec bien évidemment du pain francophone les mecs. Comme ça, on peut se péter le bide et en plus de ça, on peut récolter un maximum de bois. Allez, viens là mon coco. 1 2 3 chunga, boum. Oh là là, OK, go, 5 de fer. Et ça les mecs, c'est une hache avec son magnifique bouclier. Boum. Et là maintenant les mecs, ça va être incroyable parce que là, j'ai actuellement la touche F3 et les gars, je peux me F4 littéralement avec tous les modes différents. Et là les mecs, c'est très simple. On va se mettre en créatif et on va faire un troll à la lettre qui va être hilarant. Donc en gros les mecs, ça va être très très simple. On va mettre ce bloc là, on va poser les blocs comme ça. Ensuite les gars, on va mettre un hooper juste là. On met la petite table de craft et ensuite c'est très simple les gars, on va prendre un maximum de planches, on va toutes les crafter comme ça. On va crafter que des bateaux qu'on va bien évidemment drop partout par là, voilà. Et voilà les mecs, ensuite on recasse tout et la inette va croire tout simplement que c'est un bateau normal, sauf que vous allez voir, ça va être hilarant. Je vais me drop un stuff un peu cheaté, voilà, histoire que la inette ne me tue jamais de sa vie. Voilà comme ceci. Donc là les gars, je vais juste attendre que la inette vienne par là. Une fois qu'il vient, je me barre en bateau, il va vouloir prendre l'autre bateau sauf que bah voilà quoi. Mais les mecs, je vous le dis, si je perds contre Shaowen, je m'appelle plus Lined, la vie de ma mère. Bon allez, je vais prendre ça et la vidéo aura duré 2 minutes. Je vais le buter. OK les mecs, ça pointe par là-bas les mecs. Oh là, ça va tout droit. Oh, y a pourri un bateau. Attendez, 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 attendez. Non, mais attendez, il est là-bas ce chien. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mon gars, non, il fait quoi? Je suis pas stuffé. T'es dedans, je suis pas stuffé. Non, mais tu sais quoi? Eh, je vais me barrer, genre un secoué. Oh, what? Je bug. Non, je peux pas avancer. La vie de ma mère. Non mais c'est quoi ça? Ça le clébard, c'est vraiment un clébard, la vie d'Ouam. Je fais le sécher, je vous le dis direct. Attends, c'était quoi ça? Sa technique de multiclonage de bateau là. Tout droit de Naruto le bordel. Bon les gars, on va passer au deuxième troll. Je vous le dis, ça va être incroyable. On débarque Ned Robinson Crusoe. Oh non, mais il me suit vraiment en fait ce chien. Et c'est quoi, j'en ai rien à faire. Je vais le tabasser. Ah, tu fais le mar. Non, oh non. Vous avez entendu les mecs? Ma souris, mon clavier s'est déconnecté. Je vais l'insulter. Mon clavier a une mini déconnexion les mecs. Donc là les gars, ça va être très très simple. On va utiliser nos rails pour que la Ned se fasse détruire. C'est-à-dire qu'on va faire des escaliers un peu en bas dans le sol. On va y foutre quelques petites torches. On va mettre une première rail ici qu'on va faire descendre tout en bas. Et en fait les gars, juste là, on va y foutre un max de TNT. Non mais les gars, ça va être abusé. On va foutre de la redstone juste là. On va y mettre un petit minecart. Voilà, bon, je sais pas s'il va tomber dans le panneau, mais bon, je pense qu'il va vouloir tester en fait parce qu'il est beaucoup trop curieux. Et là les gars, je vais me remettre en survie. On n'a plus qu'à l'attendre. Par contre les mecs, il faut que j'arrive à découvrir c'était quoi son multiclonage là. Comment il a fait ça? 100% il a pas fait exprès, il a juste posé plein de bateaux en même temps. Studio vraiment je comprends pas. Donc c'est pour ça les mecs, avant de faire des bêtises, on va quand même upgrade nos outils. Donc on va se faire une pioche en pierre et on va miner le fer. De toute façon, je vous le dis les mecs, dès que j'ai ma pioche en fer, je vais aller mougou Shaowen. Donc hop là, un fourneau et on va simplement faire cuire les 3 de fer et on va directement se faire une pioche et remonter à la surface. Shaowen, je te le dis, petit message pour Shaowen, dans 2 minutes t'es mort. Rien à secouer les mecs, on est très vulgos. Tiens les mecs, je crois que j'ai aperçu un petit champignon là qui sentait qu'il avait une odeur plutôt bizarre. Il est là, il est juste là ce chien. Oh la tête de homme. Oh la tête de homme. Il est où? Il est là. Non, la tête d'homme les gars, la tête d'homme qui est là. La vie d'homme qui est bizarre. Attendez, il est loin, hop là, un wagonnet. La vie de ma mère, la vie d'homme que je vais détruire. Mais je vais le sécher hein. Déblaye. Non. What? La vie de ma mère, c'est un chien de la casse. Ça leur dure de... Je vais te détruire.
Il a voulu m'envoyer au goulag. Et ça, les mecs, je ne laisserai pas ça impuni. Mais par contre, je tiens à dire une chose. Heureusement, les mecs, que Shawen ne m'a pas laissé seul avec le wagon. Là, les mecs, c'est grâce à la panique que je me suis pas pris le bail. J'aurais été serein, malheureusement, boum, je n'aurais plus été de ce monde. Heureusement qu'il est bête. Parce que regardez ce qui allait lui arriver. Non, mais vraiment. Eh, les gars, vous savez quoi? On passe au prochain troll, j'en ai rien à faire. Déjà, les gars, avant de faire ce troll, on va devoir freeze Lynette. Voilà, j'en ai rien à faire. On va mettre Lynette juste là. La tête de homme, les gars, c'est incroyable. Voilà, les gars, on va le TP juste là. Wesh, you have been frozen. You must join test. Non, mais attends, mais what? Non, mais la vie d'un mec, je spam là. Hein. Attendez, je peux me retourner? Je peux même... Mais je ne peux même pas me retourner. Je ne peux même pas ranger mon inventaire, les mecs. La vie de ma mère, qu'est-ce qui est en train de se passer? En gros, j'ai mis des disrupteurs, des pistons collants. Les gars, je vais défreeze Lynette. Ok, les gars, normalement, ça devrait marcher. Ok, 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 c'est bon. Allez, salut, sale loser. Non, mais les gars, il va vraiment rester là-bas pendant longtemps. Non, mais oh oh, peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être pas dû faire ça. C'était peut-être le pire prank de l'année. Ça leur dure. Mais la vie de ma mère, mais la tête de ma mère. Mais il est sérieux, ce type. Mais il est pas drôle. Mais comment il a fait aussi vite? Alors, toi? Mais quoi? Hein? Attendez, il se prend pour qui? Cette tuberculose, là. Eh, fuis avant que je te détruise. Bon les mecs, attendez. On va pas le suivre les mecs, parce que il m'a sans doute préparé un autre piège. Un mec qui va tête bêche dans ses bails, moi je le suis pas les mecs. Moi je sais très bien qu'il va vouloir m'arnaquer, moi je ne veux pas avoir affaire à ça. Les mecs, si je me retrouve piégé, la vie doit que ça va pas se passer comme ça hein. Les gars, j'en ai rien à faire, on va dans les profondeurs. Je viens tout juste de me mettre en spectateur et on va vite s'enfuir parce que là les gars c'est la mouise. Ok, du coup les gars, moi je viens de contourner Lynette. Les gars, ce qu'on va faire, ça va être très très simple. On va utiliser l'enchantement Frostwalker 2 sur ces bottes là. On va bien évidemment les remplacer, les gars, on va se remettre en survival. Ok les gars, maintenant que j'ai les bottes, on va descendre tout en bas et les gars on va le bloquer sous l'eau. La tête d'homme, les gars, on va le bloquer sous l'eau. Par contre, les mecs, attendez, il est parti par où ce chien là? Vide ma mère. La vide d'homme qui vient de me semer. Oh les mecs, il est là. La vide d'homme, j'ai. Non. Eh, viens par là. Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi, sale guignolo là? Hop là. Bah non, frérot, bah non. Je veux bien que t'essayes de faire quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, frérot, tu vas juste mourir. La vide d'homme que non. Mais comment je suis ici, les mecs? Non. Arrête, s'il te plaît, arrête. Non. C'est une phobie, ça, les mecs, hein. C'est vraiment une phobie, hein. Comment je sors? Non, sale chien. Mais regardez-le agoniser, tel un. T'es un phoque sous la mer. Bah oui, parce que les gars, à cause de la pollution, les phoques sont en train de mourir. Donc c'est exactement ce qui. Ouais, non. Tu redescends, toi. Tu redescends, t'es une soumise. Je te le dis clairement. Tu n'es pas la bienvenue, là, frérot. C'est l'écologie. Y a pas d'écologie chez nous. Oh, il est en train de mourir. Il est en train de mourir, le guignolo. Non, mais les gars, c'est incroyable. Mais il est pas drôle. Je vous jure qu'il est pas drôle. Non. Arrête. Non. Je le déteste. Non, mais c'est bon. Non, mais au bout d'un moment. Non, mais la vie doit. Non, mais je vais prendre un tabouret. Je vais prendre un câblage HDMI et je vais sauter. Non, mais ça va être clair d'être précis. Mais attendez, mais il a appris ça où, ce chien? D'habitude, les mecs, il ne sait même pas poser un bloc. Poser un bloc, il doit ouvrir un manuel. Qui s'appelle manuel en 2023, les mecs? Je vous pose des questions là. Personne. Non, mais les mecs, je me suis limite pris tous ces pièges. Bon, certes, on avait des pièges qui ont pas très réussi. Mais la vie de Wham, que là, je suis en train de me faire berner, les mecs là. Non, mais les gars, c'est incroyable. La tête d'homme, que tout se passe comme prévu. Enfin, pas vraiment, parce que bon, avec les rails, c'était quand même compliqué. Bon, les gars, le prochain troll, il va être très très simple. On va avoir besoin d'un screen sensor qu'on va mettre juste là. On va le poser juste ici, voilà, très gentiment. Les gars, juste ici, on va mettre les rails en redstone. On va poser un maximum de TNT. Non, mais les gars, je sais pas si vous vous en rendez compte, je sais pas si vous entendez mes clics là actuellement, mais je suis en train de poser mes 40 milliards de TNT. On va poser un Skunk Sensor juste là. Ok les gars, je viens de me mettre en spectateur. Et maintenant les gars, j'ai juste à attendre Lynette. Bon bref, allez, j'en ai rien à secouer, il est encore par là-bas, les mecs, on va aller tout droit. Alors là, je devais déjà être sur mes gardes. Mais là, je vais encore aller être plus sous mes gardes. Après, je devrais peut-être me faire un meilleur stuff. Parce que là, en vrai de vrai, mon stuff, il est pas forcément incroyable. Mais bon, connaissant Shawen, malheureusement, il a dû partir à des années-lumière d'ici, donc je vais sûrement plus le retrouver. Ok les mecs, ça pointe là-bas. Alors là, ils me disent qu'il est pas loin. Je vous le dis, je fais le pulvériser d'une puissance. Oh, tu commences à prendre pas mal de temps, ce chien. Après, c'est vrai que je me suis quand même barré plutôt loin. Bon, frérot, tu viens me tuer ou pas? Ouh là là, j'ai cru qu'il y avait des cratères, les mecs. J'ai eu très peur. J'ai vu ce cratère-là, je me suis dit, il m'a encore préparé des magouilles. Mais là, en vrai de vrai, le temps que j'aperçois rien, est-ce que j'aperçois Shawen? Souvent, dans une grande plaine, les mecs, on peut très bien apercevoir les gens, hein. Ah, oh mon dieu. Ah, sa grand-mère. Oh. Non mais attendez, je vais hurler. Il s'est passé quoi là? Non mais attends, what? Non mais là c'est tout sauf drôle. J'ai eu très peur, je suis cardiaque. Bon c'est faux, mais je serai cardiaque, je serai mort malheureusement les mecs. Non, me dites pas qu'il a explosé. Guignol. Oh le guignol. Oh mais regardez l'explosion frère. Oh l'explosion du néant frère, c'est incroyable. Non mais les gars, il doit péter un plomb. Il doit vraiment péter son crâne. Bon les gars, on va partir sur un prank assez basique. Il est très très simple. On va prendre des petites rails, des minecarts. On va en foutre bien évidemment un maximum. Et je vous le dis les gars, il va passer, il va mourir. Bon par contre le problème avec ce troll les gars, c'est que c'est un trou archi simple. Et du coup pour qu'il rentre dedans, faut vraiment qu'il soit bête quoi. Du coup à tout moment les gars, bah ça passe pas du tout et c'est un gros flop. Mais regardez-moi ça, c'est même pas, ça a même pas fini de partir ce bord.
bordel. Bon bah les mecs, ça pointe là-bas, malheureusement Shawen doit être encore ouais bah c'est pas drôle. En fait là je m'amuse pas les mecs, je suis en train de me faire pulvériser. Je me fais prendre à mon propre piège là, ce n'est pas drôle. Donc vous savez quoi les mecs, rien ne va se passer comme il devait se passer. Je vais aller miner. C'est parti les mecs. On va aller se faire le full fer, j'en ai rien à secouer. On va le pulvériser les mecs. Aujourd'hui il y avait un peu de kawaïné, il y avait un petit peu d'amitié, sauf que là c'est fini. Là je vais rester sur mes gardes. Après bon là ce piège là malheureusement je ne vois aucun moyen de l'éviter hein. Je ne sais même pas comment c'est possible. En tout cas hop là du fer magnifique. Et en plus du charbon. Alors là le combo gagnant, le combo du loto les mecs. Alors là on va se mettre très bien les mecs, ça je vous le dis. On va se refaire le nouveau fourneau les mecs. Oh. Ah ouais c'est un Dyson hein, je vous le dis direct, c'est un Dyson. Et voilà, c'est magnifique. Non mais au bout d'un moment les mecs, que rêver de mieux. Bon après deux diamants, ça veut dire que je peux me faire une épée. Donc on va pas non plus se plaindre. Ah mais là je vous le dis, rien à secouer, hop là. Si cette épée là, j'arrive pas à lui faire une Louis XIV et je me balade pas dans la ville avec voilà avec ce que vous savez, je m'appelle plus Lined. Au bout d'un moment les mecs, là il y en a marre. On a trop joué avec mes nerfs. Les nerfs sont plutôt tendus là. Donc on va déjà se faire le chapeau du chef. Magnifique. Quel mannequin les mecs, non mais quel mannequin. Un mannequin balmain. Les mannequins qui ont le plus de charisme. C'est faux, je ressemble à un mannequin de la boutique officielle. Jeans skinny, j'ai le Flow Gaming 13 là. Et le dernier item de l'outfit. Boum boum. C'est parti les mecs, on va le pulvériser. Oh Lined, t'es où là? Oh non. Oh le stuff de fou qu'il a. Oh la tête d'homme les gars, il a un stuff de fou furieux frère. La tête de homme. Ah ah, tu vois un homme qui a du goût là hein. Un homme qui a... C'est quoi ça? Bon, les mecs, je vais peut-être faire l'homme naïf, mais en fait, j'ai envie de voir c'est quoi ces pièges. M'approche pas, sale chien, va. M'approche pas, m'approche pas, t'es pas drôle, déblaye. La tête de Wam, tu me dégages. Mais il veut quoi ce guignolo là? Viens par là là. Qu'est-ce qu'il veut ce chien là, me taper avec le bâton là? Non, mais au bout d'un moment, les mecs, je suis certes naïf, mais je sais, bah, il y a un carton en dessous, hein. Non, mais t'es pas drôle, non, mais je sais qu'il y a un truc là là. N'approche pas. Non, mais voilà, je le savais, voilà. La vie, non, mais c'est pas drôle. La vie de ma mère, je le savais. La tête de Wam que je le savais, les mecs, je le savais. J'ai juste voulu voir c'était quoi. Par contre, la nette Grubiceps a subi trop de pression. La santé mentale, c'est pas assez pris au sérieux. J'ai fini en dépression, les mecs. Avec un grand D, hein. Ah, l'idiot, il est mort. Comme un idiot finito, pipo. En fait, je pense qu'il savait que c'était un endroit dangereux. Mais comme un idiot, il a voulu m'attaquer. Parce que bah, du coup, il m'attaquait pas. Étant donné que mon stuff est éclaté, bah, il s'est dit, bah, tiens, bah, je vais le buter. Et au final, il est mort comme un zinzouin. Il est catastrophique, ce mec, je vous le dis. Bon, les gars, place au prochain troll. Ouh là là, les mecs, il vient d'y avoir la nuit. Ça, c'est pas forcément bon signe, hein. Parce que logiquement, les mecs, dites-vous un truc simple. Il y a un game rule qui ne permet. Quoi, co-dormir fair play? Non, attendez, prépare quoi? Bon, les gars, pour ce troll, on va avoir besoin déjà d'avoir une surface qui est un petit peu cassée, voilà, comme ceci. Là, les gars, on va devoir utiliser des blocs de netherite. En gros, je vous explique, on cale un bloc de netherite juste là. Là, les gars, on va foutre la nuit, c'est-à-dire qu'on va se cacher juste là. On va lui dire d'aller dormir pour le fair play. Eh, les gars, la tête de homme, fair play, derrière du tout, la tête de homme. Il va dormir, il va se retrouver enfermé comme un guignolo. Pourquoi il y a une crotte, il y a une. Quoi? Non, attendez, me dites pas qu'il se met en créatif. Oulala, j'ai failli tomber, les mecs, ça a failli être très bizarre. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi cette bouse en netherite? En fait, les mecs, je connais pas son concept. Ça se trouve, il a acheté des bites, c'était bizarre, hein. C'est quoi? Je suis sûr qu'il est à l'intérieur. Ah bon, malheureusement, je peux pas miner ça, c'est un peu complexe. Il se passe quoi? Ok. Oh non! Il est en train de dormir, il est en train de dormir. La tête d'homme, les gars, il est en train de dormir. Oh l'idiot, oh l'idiot. Oh l'idiot, il est enfermé. Oh les gars, l'idiot, la tête d'homme, il est enfermé. Oh le guignol! Allez, salut! Allez, salut, beau gosse! T'es pas drôle, oui, c'est ça. Allez, tu vas miner pendant quelques heures avant de me faire chier, c'est bon là. Les gars, c'est un troll réussi, c'est un troll très très réussi. Et la... Mais non, non! Attendez! Non, mais wesh! Je peux pas miner? J'entends des bruits de pas. La vie de ma mère, il est pas drôle. T'es pas drôle. Non, mais je rigole. Je rigole là? Oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ah là là, c'est pas drôle! Personne s'amuse, je vous le dis, je m'amuse pas là. Hein. Là, je suis pas en train de rire, hein. Je sais pas qui rigole, mais personne. Et de un bloc. Et le deuxième. Et en plus, les mecs, je n'ai rien gagné. J'ai même pas un bloc de netherite. Après, on peut partir du principe que ça, c'est des blocs de netherite. Mais ce n'est pas le cas. C'est triste. Bon, bref, il est Shawen. Ok, il est par là-bas. Alors là, les mecs, je vais lui préparer une vengeance. Là, au bout d'un moment, là, je vais prendre ma main. Je vais la mordre tellement fort que la golden que je vais lui décrocher, ça va être une sacrée pomme. Voilà, les gars, le prochain troll, c'est une classique. On va se mettre en créatif. On va creuser du 3x3. Voilà. Ensuite, les gars, on va foutre une petite NT juste là. On va foutre des panneaux autour. Voilà, comme ceci. Et ensuite, les gars, on va reposer tout ce petit sable. Ensuite, les gars, on va mettre un petit coffre piégé. Et là, les gars, j'ai mis un petit panneau diamant gratuit signé Notch. Et là, c'est très très simple. On va se barrer. On va se mettre un petit peu plus loin. Voilà, on va se mettre juste là. On va se mettre en survie. Et du coup, on va attendre de voir si Lined va venir. Ok, les mecs, ça pointe tout droit. Alors là, je vais en faire mon quart d'heure. Non, mais oh là là. En fait, il sait pas doser. Il ne sait pas doser. Regardez-moi ça. Je vois de la glace. Que y a de la glace, les mecs. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé. Ça n'a aucun sens qu'il y ait de la glace dans un désert. En plus, regardez-moi ça. Diamant gratuit signé Notch. Bon, les mecs, je vais mourir. Non, non. Après, il y a peut-être vraiment du diamant, les mecs. Shawen n'est pas un mauvais gars dans le fond. Donc il y a peut-être moyen que. Voilà. Non mais voilà. Non mais non. Non. Bah, non. Ah oh.
Attendez mec, je vais faire croire que je suis mort. J'ai envie qu'il vienne. Est-ce que je vais le voir? Oh l'idiot! Oh l'idiot! Oh l'idiot! Il est pas mort! Il est pas mort, c'est idiot finito! Bah alors? Bah alors, on bégaye comme ça? Bah alors, mais bah alors de wack, je suis même pas mort! Mais les mecs, je vais le surprendre au bout d'un moment, frérot. Tu veux faire le mariole? Je vais te surprendre. Bon, il est sans doute parti parce que je prends 1h30 à monter là. En plus, j'ai récupéré des TNT dans un temple, mais bon, ça va pas me servir à grand chose. Hein. Ah bah il n'est pas là, donc bah non. Mais quel chien quand même, hein. C'est vraiment pas drôle. Je sais pas qui s'amuse à part lui, hein, mais moi personnellement là je prends pas mon pied. Je veux que tous dans les commentaires vous dites Lined est un idiot finito pipo. Il est nul à chier. Il est surtout trop bête en fait. Eh les gars, ce qu'on va faire c'est très simple, c'est qu'on va freeze Lined. Voilà les gars, il vient toujours d'être freeze. Maintenant on va se TP à lui. Voilà les gars, maintenant qu'il est freeze. Là les gars, on va l'enfermer comme un clébar. Non non non. Pas encore, pas encore. Bon là les mecs, je vois des bailleurs autour de moi. Je sais pas si je suis du bétail, mais je trouve ça bizarre. Hein. Et je suis toujours freeze. Et là les gars, on va tout simplement s'enchanter Curse of Binding. On va foutre un petit dispenser dans sa bouche. On met un bouton. Et là les gars, hop là. Allez salut. Attendez, what? C'est moi ou ma vision elle est encore plus bizarre que... Attends non mais non, quoi? You have been frozen? Mais alors toi saleté. Non. Quoi? Non mais wesh, attends non non. Oh le clébar. Oh le clébar. Malédiction du nain éternel. Je vais la garder jusqu'à la fin de ma vie. Bah tiens, je suis encore tombé. Ah mais non mais attendez. Et en plus il ose se moquer de moi ce chien. Vous savez quoi? On va enlever le Keep Inventory, voilà. Et j'en ai rien à faire. Non mais au bout d'un moment je vous le dis. J'en ai rien à secouer les mecs. Allez, bisous, je vous embrasse. Oh. Voilà, c'est le seul moyen que j'ai à faire pour ça, quoi. Hein. Oh là là, l'idiot finito, frère. Qu'est-ce qu'il est mauvais, qu'est-ce qu'il est nul. Je n'ai jamais vu un mec aussi catastrophique que lui, non mais vraiment. Eh les gars, la tête d'homme, prochain troll, on va le rendre fou. La tête d'homme, on va le rendre fou. Dernier troll, je me suis foutu dans l'end. Je vais remplir évidemment l'end. Hop là, j'ai mis toutes les underperles. Donc là les gars, c'est très très simple. On va utiliser les stalactites. On va en foutre partout en haut. On va toutes les faire tomber. Hop hop, voilà, de cette manière-là. Et maintenant les gars, on va se cacher dans le stronghold. On va voir si la lune va y aller. C'était ce petit trou là. Oh bah tiens, y a mon stuff. Bah voilà, bah nickel. Alors là, je l'ai berné les mecs, je suis même pas mort. Ah bah si je suis mort, bon mais bref, pas grave. Bon bah les mecs, c'est parti à la recherche de Shawen. Là je vous le dis. Quoi? Me dites pas qu'il est déjà dans le stronghold. Me dites pas ça les mecs, je vais le pulvériser. Alors là je vous le dis. Ok les mecs, je suis vers le stronghold, vous savez quoi? On va y poser le lit et on va dormir ici. Comme ça au moins on a un spawn et on est sûr d'avoir un spawn. Et à partir de maintenant les mecs, on est plus la fin du Kawaine, on est là pour le détruire. On a un spawn. Et voilà, il est ici. Alors là les mecs, on va y aller un instant parce que là je sais très bien qu'il y est. Hein. Attendez, me dites pas que c'est un flop ça. Hein. Me dites pas que c'est un flop. Me dites pas qu'il a envoyé des genres de spéléothèmes dans le bail et que je les ai récupérés. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort ce chien? Vous allez me dire qu'il est pas mort là? Oh le chien! À tête d'homme les gars, on va remonter en haut très très vite avant qu'il nous bute parce qu'il est largement mieux stuffé que nous. Ah ah! Rien à secouer, moi je vais aller en bas et je vais détruire mon gars. Non! Je suis trop bête. Allez hop là, on met le kibant en théorie, rien à secouer. Non mais au bout d'un moment les mecs, je vous le dis. Hein. Mais quel schlag! Non mais il est vraiment tombé si. Non mais j'ai jamais vu un mec aussi idiot que lui. Non mais c'est grave. C'est grave d'être aussi bête les gars. Et c'est quoi les gars? On remonte en haut. Je pense pas qu'il est cramé qu'on soit mis en créatif. Et en gros les gars, ça va être très très simple, on va casser tout ça histoire que l'entrée bah, puisse être à l'air quoi, au grand air quoi. Et vous allez voir les gars, ça va être le grand final. La tête d'homme les gars, Clyde, il va bégayer. Parce que là j'ai l'impression qu'il était pas mort et tout, ça m'a un peu dérangé quoi. Moi je veux voir du sang moi les gars, je veux voir de la mort. Et là en gros c'est très très simple les gars, on va prendre un petit dispenser. Et on va pas en mettre qu'un seul les gars, parce qu'en fait tout le tour en haut en fait ça sera que des dispensers. Et là les gars, c'est très très simple, on va foutre de la TNT absolument partout. Et on va évidemment poser le petit squeeze sensor tout en se mettant en spectateur, parce que là les gars ça peut être très très dangereux. Allez 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 allez. Il est bien mignon, il y en a rien à secouer. Allez, c'est parti. Non, 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 non. Oh là là, oh là là. Non, non. Ah, stop, stop, stop. La guerre, stop. Les fusillades, stop. Et voilà, bah nickel. Oh, l'idiot finito. Il est mort, let's go. Oh le nulos. Non mais les mecs, je lui ferai même pas. Vous savez quoi, vous savez quoi? Hop là, slash kill Shawen. Qui est mort en dernier? Non mais je dis ça comme ça hein. Oui, bah qui a tué le dragon à l'instant? Bah je crois que c'est moi. Qui a terminé le jeu à l'instant? Bah je crois que c'est moi. Non mais tu quoi, va te faire voir la tête d'homme. Les gars, si vous voulez encore que je le retrolle, vous mettez 10 000 likes, j'en ai rien à faire.